Bonjour, je m'appelle Dominique, j'ai 63 ans, j'habite dans les Pyrénées-Atlantiques, aux environs de Pau. J'ai une activité professionnelle avec de très grandes amplitudes horaires et un jour de repos par semaine qui n'est jamais le même. C'est pourquoi j'ai choisi la formation de plaisir piano, car on peut prendre son cours à n'importe quelle heure. À n'importe quel jour, les profs sont toujours disponibles. Le fait aussi de pouvoir revenir sur les cours, de réécouter les conseils, de revisionner les vidéos autant de fois que nécessaire, ça facilite énormément l'apprentissage. Et en fait aussi, par ce biais-là, on a l'impression quand même que le cours particulier est présent. Sauf que on peut faire répéter autant de fois que l'on souhaite sans agacer le professeur. Les enregistrements MP3 permettent d'apprendre à jouer en rythme, les vidéos aussi qui sont bien faites, et finalement c'est pas si virtuel que ça, car tous les mois avec les masterclass, ça facilite le dialogue, on peut poser des questions en direct, et puis si on peut pas assister en direct à la masterclass, on a toujours la possibilité de la revisionner en plusieurs fois, parce que les séances quand même sont conséquentes, et puis bon, là on apprend plein de choses, on écoute plein de conseils, aussi par rapport aux autres élèves de la formation. Le fait de se filmer aussi pour les masterclass fait que l'on devient spectateur de son propre travail, et ça permet d'apprécier vraiment les progrès. Moi, j'ai pas hésité à prendre cette formation justement par cette facilité d'utilisation et de prendre ses cours à n'importe quel moment. Puis c'est une bonne base, et puis la suite, moi je l'envisage. Il y a plein de conseils sur un blog un piano, il y a plein de partitions sur la piano, que ce soit Caroline ou Aurélie Chevalier, on peut les suivre au fil des blogs. Et puis il y a beaucoup de partitions qui sont retravaillées à chacun son niveau et qui permet de jouer de tous les types de musique. Voilà, bon courage à vous et n'hésitez pas, c'est très facile d'utilisation. Au revoir.